Madame, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très ravi encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de la République démocratique du Congo. Merci en tout cas encore une fois de plus pour tous ceux qui se soucient de nous, qui continuent à nous appeler. Je vous rappelle que je suis encore convalescent, je ne suis pas encore rétabli. Mon absence ou les choses ne sont pas toujours, ne vont pas du bon sens, dans le bon sens du côté de notre santé. Nous sommes aujourd'hui le 11 mai 2022. Il se passe quelque chose à Kinshasa, c'est aujourd'hui le retour du procès Caméré. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, il y a aussi la Cour constitutionnelle où le juge président est tombé. Il y a deux juges qui sont tombés là-bas. On ne sait pas. Je vais vous lire quelque chose dans ce sens-là. Et bien sûr, nous allons faire la suite de l'émission d'aujourd'hui. C'est la suite de ce que nous avions parlé la fois passée sur le phare d'essai. Et pourquoi le FARDC ne peut pas gagner cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Quels sont les atouts ou quels sont les préalables que le FARDC doit avoir justement pour essayer un peu être à la mesure de cette guerre que nous avions été imposée? Donc nous allons parler de ça aujourd'hui. Donc nous allons essayer un peu de vous donner notre point de vue parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Je n'ai même pas terminé à lire toutes ces questions qui m'ont été posées sur le phare d'essai, sur le fait on me demande de révéler ici de fait sur terrain comme je l'avais souligné dans le titre, mais ce n'est pas possible parce que nous devons quand même taire nos sources et nous devons protéger nos sources. Nous en parlons justement pour réveiller la conscience du côté de décideurs, afin qu'ils puissent jeter un coup d'œil, voir comment est-ce qu'ils peuvent faire à apporter des solutions à cette histoire de guerre et de massacre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'est un peu ça. Encore une fois de plus, je vais remercier les gens qui sont toujours là, en train de nous encourager, en train de nous donner des leçons, parce que j'apprends beaucoup, hein, je ne peux pas vous mentir. Avec vos appels que vous nous faites, avec les mails que vous nous envoyez, je suis comme à l'école. Il y a des choses que je ne connais pas et que vous m'enseignez. Il y a des choses que vous m'apprenez et que je me dis ce n'est pas possible. Surtout dans cette histoire de FARDC. J'ai même des noms que vous m'aviez envoyé, des gens qui sont derrière toutes ces histoires de massacres et tout ça. Alors, on va aujourd'hui en parler, vraiment un peu brièvement, mais comme prions Dieu à ce que nous puissions avoir la force, en tout cas ce samedi ici, d'être au rendez-vous où nous décortiquons justement le sujet que nous développons au courant de la semaine. Donc, le samedi, nous allons faire un effort en fait que nous puissions vous donner cette émission live sur Facebook. Alors, donc, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, le FARDC et les causes de l'échec de l'état de siège. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, Cour constitutionnelle, quel gâchis, s'exclame Delice Sanga. Et puis Thierry Anitouri, le député et sénateur plaide pour la réorganisation des opérations militaires. Et enfin, la cour, ici nous sommes la tuerie toujours à l'est. Que fait la justice devant ce drame, s'interroge Maître Patient Bachombe. On va sur actualité.cd. Cour RDC, quand la cour constitutionnelle se sabote. Et puis santé, la carte dentaire,
pas la, par la seule et unique maladie buccale, il en existe plusieurs avec des causes multiples. Congo profond, Fatshi doit nettoyer sa cour. Et puis Simon Moulumba dénonce la marginalisation des écoles de Tshikapa et plaide pour l'amélioration des conditions sociales des enseignants de l'espace Kasaï. 7 sur 7, coopération économique entre RDC et Afrique du Sud au cœur d'un échange entre Samalou Kombe et Ramaphosa. Diedonné Kaluba et Fouga Moliba quittent la cour constitutionnelle après tirage au sort. Et puis massacre à Djougou, révolte d'Élise Sanga estime que l'état de siège a montré ses limites et soutient sa levée. On termine par Radio Okapi, les jeunes encouragés à participer à la gestion de la chose publique. 72 femmes et jeunes filles formées en informatique entrepreneuriat pour leur autonomisation. Merci, on se revoit dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, donc il y a eu hier beaucoup de questions sur la Constitution, sur l'article 158. Sur la Cour constitutionnelle. Mes chers amis, je vais vous rappeler une chose. Moi, je ne suis pas un analyste, je ne suis pas un avocat où vous allez continuer à me bombarder avec beaucoup de questions. Non, nous nous sommes dit, nous lisons la Constitution et nous la comparons avec ce qui se passe sur le terrain. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas un professeur de droit. Donc, j'ai eu beaucoup de questions, et beaucoup, surtout beaucoup de questions. Et ça, je me suis dit, bon, c'est mon devoir que je me suis dit. Mais n'oubliez pas là, une chose, je ne suis pas constitutionnaliste. Je n'ai même pas été à la base lorsque on rédigeait cette constitution. Nous nous fions sur le texte, le respect de ce texte. Notre problème, c'est que nous pouvons voir les textes si elles sont respectées. Quelle est notre compréhension sur cette constitution? Je vais vous lire ici l'article 158. Et de vous-même, jugez bon si ce qui se passe à la Cour constitutionnelle est légal ou pas. Ce n'est pas moi à vous dire ça, mais lisons le texte. Ça, c'est le paragraphe 5 de la Cour constitutionnelle, donc article 158. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en Congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, ça c'est d'abord l'alinéa 1, je crois qu'on appelle ça. Le 2/3 des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du bureau et de l'enseignement universitaire. Le mandat de membre de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. Donc, quand vous êtes juge à la Cour constitutionnelle, vous pouvez y rester pendant 9 ans. Mais qu'est-ce qui se passe au courant de ces 9 ans? Au courant de ces 9 ans, ils ont pris 3 cycles, donc de 3 ans. Et dans ces 3 cycles de 3 ans, ils renouvellent un juge parmi les 3 composantes. Et ce juge-là qui est renouvelé est tiré au sort. L'année passée, il y a eu encore cette histoire-là. Aujourd'hui, encore, nous ne sommes pas encore à 3 ans. Il y a encore une histoire. La Constitution le dit ici, c'est tous les 3 ans. Je crois que l'histoire ici devrait être, je crois, dans le 2024 ou bien dans le 2027. Je crois, je ne sais pas. Nous sommes en 2022. Et c'est en 2021 ou bien en 2000. Est-ce que nous avons déjà 3 ans pour qu'il y ait tirage? Ça, c'est un question mark. Je ne suis pas constitutionnaliste. Pour terminer, le président de la Cour constitutionnelle est élu par ce père pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordre du président de la République. Je m'arrête là, en tout cas, pour ce sujet-ci de la Cour constitutionnelle, en vous laissant les commentaires, en vous laissant vous-même de juger si est-ce que nous sommes vraiment encore dans un état de droit au vu de cet article 158. On nous a évoqué les articles 40, on nous a évoqué tout ça. Mbata avait expliqué cette histoire l'année passée pour défendre le tirage au sort.
Parce qu'il y a eu une démission du président de la Cour constitutionnelle, il y a eu mort aussi. Mais aujourd'hui encore, il y a eu deux juges qu'on a fait un tirage au sort. En principe, le tirage au sort, ça doit se faire pendant les trois, selon les règles. Je ne sais pas quelles sont les exceptions qui ont été constatées pour qu'il y ait tirage au sort. En tout cas, je ne peux pas vouloir faire de commentaires sur ce sujet-là. Mais revenons quand même à nos moutons. C'est-à-dire le phare d'essai. Mes chers amis, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est vraiment quelque chose qui montre comment est-ce que nous sommes abandonnés à nos propres sorts. Le Congolais est abandonné à son propre sort, sans dirigeant. Pourquoi je dis ça? Le commandant suprême de l'armée ne s'occupe pas de cette armée-là, qui est supposé nous défendre à l'est de la République démocratique du Congo. Quels sont les préalables ici que nous nous sommes dit? Même ceux qui viennent au pouvoir, quelle est la politique de l'armée? Quelle est la politique de défense qui est mise en place pour que nous puissions être en mesure de nous dire que nous avons confiance à notre armée? Comparativement à ce que Mobutu a fait, Abandaki Koloba Buena, Tia Kamaele Nangai, Naba Bere Rouge, Naba Bere Vert, Mobutu a construit quand même une armée. Mobutu, dès la prise de son pouvoir, en avait conscience que l'armée devrait contribuer à la défense de notre pays. Mbokanabiso Sokiba Bangaka Ango, c'est parce qu'il y avait une armée plutôt vraiment aguerrie. Tozalaka naba militaire ya solo, bazalaka okende formation naba Chine partout, en Amérique partout. Mobutu avait pris conscience que l'armée était quand même quelque chose qui devrait nous garantir la paix en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous prenons les choses nandenge kaka ndengwana ndengwana kaka. On n'est pas conscient que cette armée-là doit être modernisée. Cette armée mérite attention. Budgétisation n'en est à combien? Bandeko, aujourd'hui, nous sommes incapables de dire le budget de l'armée à l'est de la République démocratique du Congo. C'est marrant. Et c'est le quoi, moi. Parce que, Batou Obazana Kati armée dans l'est de la République démocratique du Congo, ils ne savent pas. Il y a un nombre de bangote. Le commandant suprême, ça ne lui fait pas. Et ça, là, il y a tel'eau comme mon côté. C'est ainsi que Batou Oyo, les rebelles, je ne sais pas si je peux les appeler les rebelles, Batomboki. Les gens qui ont pris les armes, les groupes armés, se moquent de notre armée. Ils se moquent de notre armée. Comment est-ce que Toiko Bandakoloba, que non, te conquérir, Boetozo? Tout ça, on est en train absolument de mentir et de continuer à enterrer le chef suprême de cette armée-là. Parce que Azako Lobaboe, Bazako Ebisegeye, Zandengwan, entretient Zalokuta. Entretant, c'est de faussetés qu'on est en train de raconter. Les choses ne vont pas bien à l'est de la République démocratique du Congo. Et on ne s'en fait pas, ce n'est pas un problème. Ça va être bon, ça viendra, ça sera bon. Mais ça sera bon d'elle-même. Est-ce que cette histoire viendra automatiquement et les choses commencent à marcher? Quelles sont les politiques que nous, aujourd'hui, nous allons dire que nous allons construire l'armée Nabiso? Qu'est-ce que nous faisons pour cette armée de phare d'essai? Qu'est-ce que nous faisons pour les services de sécurité? Services en renseignement n'a pas besoin de fonctionner ndengenini. Aujourd'hui, on peut nous dire, non, il y a des choses qui se passent, mais nous voulons voir. Nous n'avons pas besoin de connaître ce qui se passe dans la cuisine. Nous avons besoin de résultats. Qu'est-ce que vous nous apportez pour manger à la table? Avez-vous préparé ces aliments-là pour que nous puissions voir que non, biloko tozo liasiko eza biloko ya malamu? Et c'est là où nous nous sommes dit, notre armée mérite mieux. Quand nous comparons l'armée
que Mobutu avait fait à partir de 1968 dans les années 70. Nous avions vu l'armée. Mobutu faisait vraiment la formation à Batou. Les parachutistes, Batou Ebélé, Batou, Baba artillerie. Donc nous avions une armée. Mokonziabane Koyeba que non, il faut atos à l'armée à Malamu. Et quand nous allons défendre notre territoire, que nous soyons à mesure. Mais aujourd'hui, comme Kaka Maloba, il n'y a que les gens parlent, mais dans les actions, rien ne se passe. Et pour justifier ça, Koyoka que non, Bisotoza, Nambargo, Pona. Qu'est-ce que nous avions fait de mal pour être avoir des Congo et la Nakati embargo? Et tout ça, ça se raconte, ces histoires-là passent, les Kinangon avaient information, nous subissons des échecs, l'armée, le président de la République ça, n'a pas un souci. Aux hommes, on a été à l'obité, on a vendu les nanous, les Kambo, est-ce que tu vends les nanous, vraiment, aussi les Kambo. Et les gens avaient beaucoup d'espoir lorsqu'il avait dit Nakokendekotia quartier général Nangana Beni ou bien na Oliakuna na Goma na Vanda vraiment na Silisa Likambwana. Ça menait là-bas sans plan. C'est comme ça que nous nous sommes dit biloko nyoso ezala kaka ezoloba makaka me bazako préparer en côté. Et c'est la même chose que nous sommes en train de partir. Mokezo kendekaka na ndengwana parce que batuo bazal ko kambabiso bazana mayele te bazyebi quintessence te ako diriger mboka. Ils n'en ont pas et ils ne veulent, je ne sais pas si je peux dire s'ils ont le vouloir de faire bien les choses. Peut-être le vouloir ne peut être là, mais la capacité managériale ako mener biso ako loba, nous allons commencer ici. Le plan de sortie ezalité. Ils ne réfléchissent pas comment est-ce que nous pouvons sortir dans cette histoire. Nous ne faisons que subir. Baboma qui batou. Oh, sorry. Baboma qui le sous batou kuna. Gouverneur militaire au lobby nini. Non, tozo salamakasi et bitumbane et kokoufa. C'est comme ça que ma solo na bango et zalaka. Mais il ne se pose pas la question. Pourquoi le militaire congolais azoko kakobundate? Quel est le problème qui est posé exactement à l'est de la République démocratique du Congo pour que faire des Sénabiso et Kokate? Quels sont les moyens que nous disposons autotier en place pour que faire des Sénabiso à Longa Bitumbawana? Est-ce que Bitumba Oyo, Tozolo ba Elikambo à Solo? Est-ce que. L'administration et Kotiaba militaire des solutions. Je parle de l'état de siège. C'est ça. Est-ce que c'est ça la solution? Toutes ces questions-là demeurent. Bah militaire, bah gouverneur militaire, bah comme on a basé ça la psycho, le travail de tous les jours. Il n'y a plus de travail d'exception qui met accent là-bas que non. Nous, notre action c'était visée sur la comment rétablir la sécurité et l'autorité de l'État. Exalté. L'autorité de l'État sera rétablie lorsque le peuple congolais se verra que non, tout est vraiment contrôlé. Tout royo, nous t'avons dit que ça la blague est sous-souté. Mais c'est de la blague qui se fait là-bas. Que
qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Les gens qui tuent ne sont pas des ADF. Les gens qui tuent, ce ne sont que des troupes de FARDC. Batu oyo babomi 50 personnes kuna. Eza ba troupe ya ba FARDC oyo msusu uta ki soki wapi soki bazako wele la nini. Batu msusu les informations sont croisées, on ne sait pas exactement, mais batu na biso o bazana sur terrain bazako rassurer biso ke ba ADF bazala kate bazala kanakati ya FARDC. Les groupes Codeco sont supportés par le FARDC. Na ba FARDC na bazala ki ko wele la carrière minier. Et puis les gens qui bato ba kufi ezali batu o bazali bazaki ko teka tout autour de abanani ya ba mine d'or wana. Comprenez que na katia ba mine d'or wana ezana ba soldat o ba kengela ka ba FARDC ba kengela ka kuna bazalaka. Ils sont là. Et puis tout d'un coup, on apprend 50 personnes bakoufi ba bot ba betana ki masasi carnage salemi bana ba basi le vieillard tout le monde donc bato ba ko kiko ki maté entre les troupes de commandant ba o ba yebani ezaba tu affaire de ce. Mais maintenant l'actualité arrive que ezaba ko dekonde mutu ba bomi bato effectivement parce que batu msusu ba tout groupe msusu ya affaire de ce ba lata ba kombona ba ko deko. Okutana oba to FSN le suki ya chini ya kilima wana basaba lati batu sokoto afar de se. Notre armée elle est constituée de groupes armés. C'est ça le problème que nous devons accepter aujourd'hui et que nous n'arrivons pas à résoudre. Mais maintenant quelle est la solution? Parce que ici nous ne pouvons pas que bavarder. Et puis nous commençons à dire non, Zaka Kekoya, non. Quelle est la solution que nous devons appliquer? Toza Koyoka a balobi recrutement, l'armée est en train de recruter à Beni et tout ça. Bande Kouane Koezana nous solution te. La solution d'abord c'est de cantonner le FARDC le plus possible. Pas cantonner nous le FARDC pour que nous puissions avoir le contrôle de nos propres. Militaires, nous devons nous savoir nous sommes à combien. Il faut tout y faire de ces hauts bazars côté qu'on a bazar combien. Est-ce que nous avons la volonté de terminer cette histoire là? Contrôlons d'abord nos hommes. Il faut tout y baba force na bisou zandengeni. Toko bandela wapi to plan de guerre ezalité. Plan de guerre et zalite pour na kosili se loko. Oh, ba gouverneur wana ezaka ba tuazo ya kosala misala na bango. Baza ko iba, bazo sala ba makamu na bango ne bazo sala. Vous n'entendrez jamais que non, il y a un plan ba lobi toko banda. Awa toko clean up village. Oh, toko suka. Oh, ba to baza na beni. Boy a kote. Oh, to sala ne. Comme ça to kanga ba tuana nyoso to netoye kote nyoso. Non, ezala kate. Ça n'a jamais été fait comme ça. Mais basa la kayango na ndenge nini batinda kande ba groupe armé oyo ko kende ko sala ba opération o bazo kende ko tumba mituka o les chauffeurs nous le disent tous les jours que non to koti na embuscade ba lobi ke za ba ADF bazo bunda non e komona ba tuana ba lobi ke ba tuana ba o bazo beta masasa ko yeba ke non o za far de ces à la ka place telle o baza côté o ba tumba ke o ba boma ke o na mona ki. Les témoignages qui nous reviennent ici, les gens attestent en disant que Eza ADF a la ajouté. Et tout ça, nous continuons à parler, mais Ezo Kotanama, Toya Mokonzi, Ambokate, Tovanda, Toloba, Siko Tokosala, Ndeyenini. Qu'est-ce qui se passe? Par où commencer pour que. Ne fisse qu'à ta faire des scénarios topé ça yango attention à réorganiser en haut. Le plan que nous donnons ici, c'est que nous devons d'abord cantonner tous les hommes en uniforme à l'est de la République démocratique du Congo. Créer une police de proximité qui sera composée. Yabana yaba village wana nyoso. Tolomite kopé sa bango ba armes. Ils ne demandent même pas les armes. Ils disent tout simplement que Batouana na nous faire de ce ekende na nous monisco ekende. Et nous ne cessons de dire ça chaque jour. La monisco est aussi complice de toutes ces histoires ici.
ba mando ki abato ba zolo ba kodeko ba zalaka na ou. E outa ka wapieza mando ki a far de se. Se kom se ke nou som di. Président de la République, prends courage de te dire que ton zalana nou ata na moua. Deux mois et attention pour na ko réorganiser faire de ces nabiso en vie que bitumba nabiso on est ça là tous à la to longa ta sur terrain. Nous avons la chance parce que nous avons encore ba pays ça déjà civilisé ba pays belé ça civilisé o za pembeni pembeni nabiso. C'est pour cela baza ko répéter sous likambo ya nani ya il y a 96, il y a 95 avec Laurent Désiré Kabila. Mais sinon, ce qui est Kamouane, puis on vient, on envahit le Congo, on met quelqu'un d'autre là-bas. Mais parce que Batouba, comment civiliser? Donc, nous disons que la solution, c'est de d'abord cantonner le phare de C. Quantifier bango. Nous devons avoir le nombre exact de nos militaires qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo. Réorganiser chaîne à commandement. Quels sont les gens qui composent notre FARDC? Avant qu'on soit par recrutement, avant de que les gens, les choses fouillent, puissent se faire en désordre, remettons d'abord de l'ordre dans nos militaires, dans le rang de militaires. Il faudrait qu'il y ait de l'ordre. Ordre zanini, cantonnons, ne fût-ce qu'à un mois. Batouana baza cantonné, et pendant ce temps, je crois que Bokoyo kata massacre mon côté. Pendant ce temps-là, au Bokolobake, non, Moutounion, surtout au Azana Katia Bazamba, au Azakotika, Azana Akumona na Kazana Arm, à cause de la rebelle. Et puis, Zal souffar de cet homme, Moutouza Kokenge Labatu. Nous avons constaté que cette tuerie est une réponse. Bafar de ce Bango Moko Baza correspondre. Quand il sache que non, état de siège est aussi là, il commence à faire les barbaries. Pour dire encore au président de la République que nous, vous avez encore besoin de nous sur terrain. C'est pour cela que nous sommes dit, président Zoua courage à Koloba, Tosiri c'est état de siège, Oyo, nous allons cantonner. Il ne faut pas que Tolobaka qui est état de siège, Siri Totcheba militaire, Kuna, disons, Batozongisi, ba gouverneur civil, Té, Ekosimba, Té. La fin de cet état de siège doit être accompagné avec des mesures d'accompagnement, Oyo, Ekozala perceptible par le peuple congolais à la base en disant que non, vraiment, état de siège, Siri, voici l'étape dans laquelle nous passons et nous commençons par exemple l'étape où il y a Komi Kenge la Bisomoko. Il y a Bisomoko Tozako contrôlé. Pendant ce temps-là, le phare de est en train de s'organiser à Koloba. Toye Bana Nunakati Arana Biso. On nous accuse que nous sommes porteurs de ces ennemis du peuple. Où sont qu'est-ce que nous avons de mal entre nous? Nous sommes à combien? Qui est-ce que nous devons envoyer sur terrain? Comment allons-nous réorganiser vraiment plan à Kolobato, sécuriser parti Oyo? Et que nous soyons plus impliqués dans tout ce qu'on a dit, non, on va faire des semes, tu vas faire des semes, tu vas faire des semes, ça ne doit pas être tout simplement une histoire qu'on va dire, bon, état de siège Sili. Et puis la vie continue normalement, tout ce qu'on faisait avant, ça se fait comme ça. Non, ça doit être suivi de mesures d'accompagnement. C'est pour cela que nous nous sommes dit, même table ronde, on a président de la République, il faut prévoir que non, à cause de la table ronde, pour nous évaluer l'état de siège. Mais quelles sont les mesures que vous mettrez après? Est-ce que cette armée est en mesure de combattre et de terminer une situation donnée? Insécurité sur le plan national, est-il assuré vraiment? C'est ça les questions qui devront être résolues lorsque, avant même d'appeler l'Ikambo état de siège, nous devons déjà avoir l'idée de, en tout cas, Batou Oba Kosila, mais comment est-ce que nous allons préparer notre armée? Est-ce que notre armée allait-il encore rester dans la même configuration? Est-ce que coopération n'est entre les autorités civiles na batu armée? Qu'est-ce que nous allons? Quelle est la collaboration? Ma question en agnoso devra devoir avoir une solution avant d'être appliquée. Tokoyeba ke tozo sala boye, potokoma awa boye.
Mais kaka boye balobi non état de siège kosi là et loko moko ko sale marate. Les massacres vont continuer parce que nous n'avons pas touché au problème, nous n'avons pas résolu le problème de ce qui se passe. Est-ce que nous avions compris? Est-ce que nous avons pris les mesures à ce que l'insécurité termine? Elle va terminer comment? Quels sont les plans que nous mettons en place que dès que nous déclarons que l'état de siège termine, voici le plan que nous mettrons en place. Eza wapi. C'est comme ça que Batumsou Bazolo non, on se précipite dans les élections, on se précipite autre chose que ce qui est très important. Voilà, nous allons nous arrêter ici. En vous remerciant encore et en vous demandant encore une fois de plus, chers amis, ne regardez pas seulement, abonnez-vous, partagez ces émissions pour que nous puissions avoir une grande visibilité. C'est avec cette visibilité que ça nous permettra aussi de survivre et d'être que nos idées arrivent juste aux décideurs qui peut-être pourront adopter ces idées que nous émettons ici. Cela nous permettra, ça nous permettra d'apporter notre pierre à la construction de notre pays. Nous remercions vraiment beaucoup des gens qui nous appellent. Nous remercions tous les mails que les gens qui nous envoient de mails, des messages et tout ça. Nous en sommes vraiment fiers et cela nous pousse encore une fois de plus que nous continuons à faire ce que nous faisons. Merci beaucoup. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.